Non. Amor mio. Les gars, on a bien sérigraphié, regarde là. Bing. Bang bang, on a sérigraphié les pulls et les t-shirts. Il m'en reste encore un. J'avais envie de filmer, j'ai envie de parler. Vas-y, moi j'ai nettoyé. Comme with me. Attends, c'est propre, regardez bien. Waouh. Voilà. Il a enfin travaillé ce fils de pute. Quoi? Le frère, on a une bombe. Let's go, let's go. J'ai fait ce pull, il est à côté de Gotaga, frère. Phénomène, c'est une marque stylée. Donc faut la porter, logique. Une villa, acheter des maisons. Si je pleure, c'est que j'ai des raisons. Moi, dans le brouillard, je suis toutes les saisons. Il faut que je sorte, que je bouge, que j'aille prendre ma part. Là, vous pouvez voir les pulls. Ok, et ensuite, là, je suis en train de sérigraphier le dernier pull. Et puis après, il va juste nous rester des impressions laser à faire à la presse. Ici, là. Ici, là. En bas, là. Et voilà. C'est tout, je voulais juste filmer, les frères. Okay. En vrai, tu peux peut-être filmer qu'on chérigraphie le dernier pull. Peut-être c'est intéressant. C'est intéressant de savoir. Être immergé. Immergé dans la situation actuelle. Immergé dans l'énergie de la situation. Quoi? 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 Quoi coubé? Comment s'appellent les habitants du Québec? Les Québécois. Ok, quoi coubé? Il est fou. C'est trop marrant. Non. C'est trop marrant. C'est gênant votre pote là. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Trop marrant. Ok. Ok. Prends un peu du recul sur la situation. Voilà. Regardez. Ok. Là, je suis posé. Non, c'est trop de faire des cinématiques tout le temps. T'es toujours à contre-jour. Ah putain. C'est ça le problème. Mais du coup, on voit pas. Enfin, si, un peu. Attends. Attends, parce que maintenant, il faut que tu viennes tenir. Chiant. Je veux pas vloguer et tenir en même temps. Et voilà. Regardez bien la qualité là. Regardez bien la qualité. Regardez la qualité. Chiou. C'est voilà quoi. Regardez, non mais regardez, en vrai, regardez sur ça là. Vous avez vu? Bon, calculez pas le brin là au milieu. Quand je vais passer à la presse, ça va s'enlever un peu. Vous avez vu les très fins, comment ils sont calés? C'est fou. Cette précision. Ok, du coup les gars, je vais mettre la presse. C'est bien. Ok les gars, maintenant j'ai mis la presse, imagine on parlerait vraiment comme ça. Bah tu fais des cuts, t'es en petit cut en plus. J'ai pas mis. Wesh. En fait t'as craint la musique. Ouais, il y a la musique depuis un. Et voilà, regardez les frères. Regardez-moi ce pull, dans ce t-shirt. Dinguerie ou pas dinguerie en vrai? Dinguerie en vrai. Hein. C'est fou. Bon, ça c'était la partie la plus facile entre guillemets. Maintenant on va galérer. Hello guys, du coup on se retrouve sur une nouvelle vidéo, un nouveau phénomène vlog. On est en direct du garage. La situation, cette vidéo est sponsorisée par nous. Du coup faut acheter sur le site. Du coup ce que je veux dire c'est... Et là je peux directement filmer moi. Oi oi oi. Viens là. Vlog ou quoi? Ok, désolé les gars. Ok, du coup ce que je disais avant qu'on m'interrompe, voilà. Malheureusement c'est un putain, peu... Putain, il y a une araignée morte sur le t-shirt frère. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une araignée morte les gars. J'ai une tache sur mon t-shirt à cause d'une araignée morte gros. Ça c'est l'ancien drop les gars, je vous explique, ancien drop. Vas-y. Ancien drop. Bizarre. Je sais pas, mais depuis avant je filmais... Du coup je reprends la vidéo parce qu'on m'a interrompu en fait dans ma vidéo. On est en train de tester... C'est trop... Le papier transfert sur... regardez bien. Hop, papier transfert sur les vrais habits, du coup les habits qu'on va shoot demain puis qu'on va vendre, commercialiser. Et du coup, bah là on fait notre petite technique qu'on expliquait avant.
Il y avait une voiture, les gars. Ouais, du coup, on fait la petite technique qu'on avait expliqué, je sais plus si on avait expliqué avant, mais. Si, on a expliqué, ouais. La technique d'Angel, là, on fait trois fois, puis après, on. C'est censé marcher, bref. Du coup, c'est le grand moment. Du coup, si là, ça marche pas. Viens. Vas-y, viens. Là, c'est le réussite. Si là, ça marche pas, bah. Voilà. Ok, les gars, si là, ça marche pas. Si ça marche pas, on fait faillite. Voilà. Bizarre un peu. Bizarre, des travelling, lui, je comprends pas. Et des. Hop là. Ok. Non, film. Non, bon, tu filmes là. Là, c'est le reveal, là, ça va aller vite, là. Là, je t'explique. La poteau. Ça, j'enlève là. Wesh! Il est pas vert sorti. J'ai le mort. Pourquoi il est comme ça tout vert, mec? Est-ce que tu vois que c'est à cause de la couleur? On voit pas bien, hein. Non, c'est pas fou, ça. Ok, c'est un flop. Prochain drop, il est floppé. Non! Voilà! Ouh, il est droit, c'est juste les travers. Tu crois? Oui, il est droit. Non, mais faut. Ok, je vais vous montrer, les gars, le résultat. Quoi, ça me casse les couilles, voilà. C'est de la merde. C'est trop nul, oh, gaze, hein. Nouvel arrivant, pouvez-vous mettre pas en contre-jour, s'il vous plaît? Dites-nous tout, qu'est-ce que vous en pensez de phénomène? J'ai créé cette marque à 2 ans. Ah, c'est vous qui avez créé? Ouais. Ok. C'est un flop, hein. C'est de la merde, là. Oh, fais-le en faire. Ok. T'es quand même sûr que c'est un appareil. On peut faire des photos à ça de fou avec le filtre là. Quel filtre? Il a un filtre. J'arrête de filmer là où je continue, vous me dites. Hein. Tu peux fumer. Ah, c'est ça? Ça donne bleu comme ça après, je comprends pas. Peut-être parce qu'il y a pas assez d'ongles qui est parti, je sais pas. C'est une question ça. Le truc, le print il a pas marché, on comprend pas pourquoi. Ouah, j'ai trop la haine, vous imaginez même pas. Ah, mais en gros, les gars, là, c'est la merde. Genre, on pensait avoir réussi, et le résultat est vraiment pas ouf. Et j'ai peur qu'en fait. Parce que sur le site, c'est marqué pour tissu clair, tu vois. Enfin. Et puis, le tissu foncé, c'est l'autre technique. Sauf que ça, c'est genre, c'est plutôt clair, tu vois, quand même. Enfin, c'est pas blanc, mais c'est. C'est bien. Ouais, c'est clair, quoi. C'est bon, quoi. C'est le terme. Bref, on va réessayer. Ah, c'est beau. Sinon, je comprends pas. Ça, j'ai enlevé trop tôt, je sais pas. Mais je pense pas, hein. C'est bizarre. Je suis le gros verre. En plus, c'est une taille M, genre du coup, avec une taille genre XL que personne porte, quoi. Mais j'ai le mort, les gars. Bon, ah, jure, tu te vois. T'as c'est trop fou. Voilà, West Side. Moi, j'ai pas vu, c'est nouveau après moi. Ouais. Non? C'est une nouvelle impression, mais ça marche pas, gros, ça pue la merde. Ça fonctionne pas de fou là. Pour l'instant, ça fonctionne pas, les gars. On sait pas trop ce qui se passe. Je vais vous montrer un peu tous les outils là, hop. Voilà la machine qui ne marche pas en ce moment, on sait pas trop ce qui se passe. C'est même pas la machine qui marche pas. Là, en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est il faut refroidir, il faut attendre qu'elle refroidisse. Ça, c'est phénomène. Mais. Quoi? Ouais, ça, c'est phénomène, c'est la nouvelle collection ça. La collection, c'est marqué fast food. Mais t'es con quoi, c'est pas phénomène. Les gars, on est dans une cave. Une cave. Ah, je comprends rien du tout. 4 hommes dans une cave, bizarre. Si on nous séquestre, c'est chaud. Là, on attend quoi, les gars, en fait? Bah, on attend que ça refroidisse. Ah oui, ok. Faut que c'est... Ok, oh, parfait. Est-ce qu'on filme? Ok, deuxième couche. Ah, bah, c'est trop une dinguerie, ça fonctionne pas, mec, j'ai trop le mort. Mais ça pue sa mort, cette technique. Je sais pas pourquoi. On a vu, Marco? On a vu. Mais non, le double mètre. Attends, on va voir combien je mesure. Ok, la machine, elle est en train de faire son travail. Attends, parce que là, du coup. Elle baille dessous, je le garde. Ok. Je comprends pas, ils sont où les bonnets? Bah les gars, ils sont où les bonnets? Il est où le pantalon? Le pantalon. Les gars, là, ça doit refroidir encore une fois. Hop. Wakanda Forever. Il a menti, hein. Les gars, il y a Marie de Animal Crossing, il savait pas le focus. Ah, ça y est, toi. Mais gros, ce truc là, je vais lui donner ça à la maison. Je sais pas si on vous l'a dit, les gars, mais on est J-1 avant le premier shooting. C'est assez ouf. Demain c'est le jour J avec les mannequins que j'espère qu'ils sont beaux gosses, moi je les connais pas, mais voilà. Voilà, la machine refait son travail. Bah ça va pas fonctionner, sinon je vais vraiment. Sinon on pleure, je vais tout casser en gros. Vas-y, on voit vite, je vais aller là-bas. Fais le but. Bien quoi. Je vais avec lui, on va rader. Ça se passe très vite en gros. Frère, je comprends pas pourquoi. C'est pas censé donner ça les frères. Putain, j'ai trop le mort.
comprends pas. Je comprends pas, il est pas double. Il est même pas droit le bail. Ah cool hein. Ouais ça pue la merde. Je sais pas quoi faire Lucas. Donc les pulls ça passe mais les t-shirts ça passe pas. Les pulls non justement ça passe pas. Mais ça c'est de la sérigraphie. Ouais. Rien ne marche. Y'a rien qui va les gars. Non c'est le malgré. Je suis trop là. Bah déjà non il est travers frère, il est trop haut. Il est trop haut, je t'ai dit il est trop haut, ça pue la merde d'être aussi haut, ça est plus bas mais. Montre. Il est trop haut gros. C'est bon. Eh hey, il est dans le cou. Il est dans le cou. Ouais c'est plus il. Putain de merde gros, c'est bon mec, putain de merde. Du coup ce matin on a réussi à faire ça, on était content tu vois. Thomas. Vraiment le truc est RSA, il est parfait, si on arrive à avoir ça c'est dingue. Mais ça je pense que c'est parce que c'est sur du blanc à part ça. Mais c'est dit tissu clair, c'est un tissu clair ça. Ouais. Putain. Ah oh, tu l'as grave ça du par contre. C'est de la toile d'araignée, c'est bon. Mais bouge-toi. Je peux lui le voir sur moi. Ah, les temps sont durs. Ah, c'est les couilles. Je comprends pas. Mais je pense que c'est moyen, il était trop foncé, je sais pas. C'est hyper clair. Comme bleu. Les autres, tous les autres trucs sont beaucoup plus foncés que celui-là. En fait. À part ça. Tu pourrais faire. Hein. De toute façon, il est mort. Donne. Vas-y, vas-y. C'est la pire technique de la Terre. Quoi. Ouais, je suis sur la street. On est de nouveau chez Lucas. Pour changer. Parce que du coup, on a après que j'ai jeté le t-shirt, on a fait des tests. Et en gros, voilà le meilleur résultat qu'on peut avoir. Bon, sur le lacament, on dirait que ça rend super bien, mais en vrai, ça rend pas du tout bien. Et sur la cam, c'est trop beau, frère. Bof. Tu vois, en vrai, le truc, c'est que là, il y a toute l'ombre qui est partie sur le t-shirt, vous voyez. Et du coup, ça veut dire qu'on. Là, en fait, sur la cam, on voit pas bien, mais en fait, il y a un effet bleuté. Ça nous saoule, et puis Lucas, chez lui, il avait des papiers à transfert laser, du coup, c'est notre en gros, dernier secours, tu vois. C'est on essaye, puis si là ça marche pas, bah faudra improviser un truc. Ouais, faudra improviser. Du coup, bah on essaye. Parce qu'on peut pas, en gros, on peut pas avoir mieux que ce résultat là. Ça, c'est le best du best du best, parce qu'il y a toute l'ongle du truc que j'ai réussi à enlever en fait. Du coup, bah. Je sais pas. En gros, il faut qu'on aille sur Photoshop, qu'on mette les. Comment ça s'appelle putain? Les designs. Les designs en reverse et après on imprime et puis il faut qu'on reteste ça direct au garage quoi. On imprime la V2 et puis on imprime en CMJN du coup. Bah il faut pas qu'il y ait le. Attends mais du coup faut tourner du quel sens? Genre comme ça ou comme ça? Je sais pas poto. Logiquement. Ouais c'est le truc là, il est là. Soit on le tourne comme ça. Soit on le tourne de l'autre sens. Comme ça. C'est pas mieux. C'est plus logique comme ça, non? Mais ça change rien. Si. Si. Bah, de toute façon, on l'a plus. Mais. Non, parce que le but, c'est d'imprimer le sens inverse. Parce que, en gros, ça sera la face qui sera collée sur le t-shirt. Ensuite, nous, on aura l'autre face. Parce que tu vois très bien, nos feuilles qu'on a au garage, c'est l'inverse tout le temps. Mais du coup, je sais pas s'il faut l'inverse de ce sens-là ou l'inverse de ce sens-là, tu vois. Mais c'est un nouveau t-shirt, ça aussi. Fan de Naruto. Ça fait 3 ans que je l'ai. Mais ce mec est riche. Non, mais d'accord. Regardez hein. La police, regardez, c'est lui qui vend la drogue. C'est lui là, regardez. On imprime sur des feuilles normales, les deux. Genre, on met un check. Au pire. Franchement, on se complique pas la vie, on fait genre. Tac, hop, hop. Celui-là, on le fait tourner comme ça. Celui-là, on le fait tourner l'autre sens. Voilà. Mais en fait, ça change rien, parce que de toute façon, ça fait soit ça, soit ça. Peut-être t'as raison. Hein. Mais viens, on essaie. Mais ça change rien. Peut-être t'as raison, mais je pense que t'as raison. Mais viens, on essaie quand même. Bah, comme ça, on a les deux. Ouais, vas-y. Vas-y. Et du coup, je sauvegarde mon quoi? Un JPEG? Mais faut pas qu'il imprime le blanc. Mais je crois que... En fait, je crois que. De toute façon, ça imprime pas du blanc. Oui, mais vu que le papier après, il est peut-être pas blanc, bah, je sais pas. Si tu mets sur un papier noir, est-ce que l'imprimante, elle imprime le blanc? Non. Mais l'imprimante, ça a toutes les couleurs sauf le blanc. Ah ouais? T'as pas une cartouche d'encre de blanc? Ça n'existe pas. Ok. T'as, en gros, les imprimantes, t'as CMJN plus le noir
Du coup, t'as cyan, magenta, jaune. Ah, mais en fait, faut que je revoie mes cours. Hein. Cyan, magenta, jaune, noir. Je suis débile. Ok, bah, mais on. Bah, on est au JPEG. Ouais, de toute façon, on peut que ça. Voilà. Allez. Allez. JPEG. On a une piste imprimée. Il était normal. On met optimal, frérot. Vas-y. Papier ordinaire ? Oui. Bon, regarde s'il n'y a pas des trucs. Mais je crois pas, hein. HP Premium, en fait, si t'as des papiers plus épais, et il prend plus de temps, enfin, il est plus délicat avec le truc, mais je pense. Transfert sur tissu. Oui. Mais c'est HP. Mais là, de toute façon, c'est le papier normal maintenant, là. Dans l'imprimante, t'as pas mis les trucs. Ah mince, bah faut qu'on mette du. Mais non, mais viens, on fait un test normal, genre, okay, ça donne. Hop là. Mais je Attends, va devant, pour la cam, c'est plus joli. Attends. Non. Ok, donc ça c'est ce qu'on aurait. Du coup là, si on. Attends, mais en fait, on a juste à faire ça. On a l'air color. Waouh, et c'est le bon dans les deux sens. C'est ce que je te disais. Bah, t'as rien à dire. C'est bon, ouais, colors. Ok, ça. Ça donne quoi? C'est bon. On va imprimer sur la gueule. Comme maintenant. On teste sur ça. De ce côté, hein. Donc, il y en a plus beaucoup, on est fait. L'encre de foulard. Donc, j'ai appris un truc à mon stage. Tu secoues les trucs d'encre, tu remets, tu dis à la machine, il y a encore de l'encre et il y a encore de l'encre. Ouais. Je jure que c'est vrai. Ok, les gars, ça va être très rapide parce qu'il n'y a plus de batterie. Mais en gros, là, c'est la nouvelle c'est la technique qu'on a à la maison. C'est à peu près pareil que ce que là, mais on va tester. J'espère que ça fonctionne. Vas-y, je dois y aller. Ok. Ok, ça bip. Hop. Ça bip. Donc, c'est le résultat, les gars. On filme avec l'iPhone. T'arrives ? Normalement, il faut enlever à froid celui-là, mais nique sa mère, frère. Oh, il y a de la colle partout, frère. Bah oui, il n'y a pas le découpage auto. Et c'est quand même bleu. C'est bleu. Normalement, il y a toute l'encre qui s'enlève, t'as capté ? C'est bien bleu, hein. Du coup, il faut faire un découpage parfait autour du truc, sinon il y a de la colle. Mais du coup, c'est bleu, quoi. Mais je pense parce que l'encre n'est pas assez foncée. Mais même, tu vois très bien les papillons. Ce serait plus foncé, ça sera toujours une teinte bleue si tu veux. Et c'est sur du bleu. Ouais, je pense que ça va être. C'est comme quand tu prends un stylo. Oh, c'est trop, il y a de la colle partout. Et du coup, il y a de la colle partout. Il y a de la colle tout autour. La sensation de fou. C'est rugueux. C'est pas une question de l'intensité de la couleur, c'est vraiment que. Regarde, même le plus foncé, ça reste bleu. C'est pas gris. Même le plus foncé, c'est pas gris, c'est toujours teinte bleue. Ah, le foncé des papillons, c'est pareil, c'est toujours pas foncé comme nous on veut, c'est. Non, tu compares. Mais est-ce que c'est vraiment gênant? Bah, si. Je trouve que c'est ignoble. Hein. Surtout là, tu vois, regarde, compare. Tu vois, là, c'est parfait, c'est recensé, et là, boum, recensé, filtre bleu dessus. C'est ça le problème, tu vois. Hop là. Au moins, il n'y a pas la colle partout, t'as vu? Mais vas-y, pour la qualité. Bah, c'est ignoble. Bah super. Super. C'était moi. Ça tu déchires le truc là. Mais attends, est-ce que l'autre il fait pareil? Un peu. Ah non, l'autre. Ah mais oui, mais c'est vrai, je l'ai pas fait chauffer en fait. Je l'ai pas pris dans le tissu. C'est marrant ça. Mais en gros, c'est toujours C'est toujours la galère. Il y a un effet bleu quoi. Mais tiens, c'est plus foncé. Viens, on essaie encore. Hein. De quoi? On met une couleur genre hyper foncée, puis on regarde le résultat, voir si c'est toujours Steph. Voir mais... si c'est le design le problème ou c'est la technique le problème. Bah, c'est okay. Je pense c'est les deux. Mais si t'as un truc foncé, ça va pas être beau sur des trucs clairs comme ça. Je sais pas. Surtout que c'est genre vraiment un truc, une espèce de truc 3D avec des papillons si tu fais ça foncé. Mais attends, parce que là, si tu veux mettre en blanc, imagine tu mets en blanc là, l'autre truc. Ouais. Sur ça, je suis d'accord, mais sur ça, il faudrait en noir genre. Mon blanc, moi ça va, hein, ça ne dérangera pas. Je pense que c'est horrible. Ou sinon. Sur le vert, en blanc, c'est horrible, blanc. Il faudrait en noir. Mais non, c'est pas beau, noir sur le vert. Comme ça. Bah, c'est plus joli du blanc sur du vert comme ça. Bah, moi, je suis sûr que ça passe. Hein. Enfin, moi, je pense que ça peut passer partout. Moi, je pense que c'est éclaté, gros. Et sur le rose. Mais moi, j'ai une idée, mais sinon, bah. Ouais, non. Ça, on met de l'encre bleue, ça, on met de l'encre rose. Mais pas les encres qu'on a, les autres. Sauf qu'on n'a pas le temps. Ah.
C'est quelle heure là, Lucas? J'ai pas de time. Je pense, frère, au pire, autrement, on va avec ça. Hein. Mais que ça? Gros, je sais pas. Je suis sûr que ça, c'est. Est-ce qu'on change toute la collection parce que. Bah, parce que du coup, la technique qu'on veut, ça ne marche pas. Et justement, ça serait. On reposait toutes nos espérances sur ça. C'est pour ça qu'on a fait des trucs. Tard, les 3D, je sais pas quoi. Ça, on n'aurait pas fait ça. Mais est-ce qu'avec un cadre de sérigraphie, on y arrive, tu penses? Bah, ça va être plat, quoi. Ou tu veux faire des dégradés, quoi? Bah, en fait. Parce qu'on pourrait, mais. Enfin. Ouais, on peut, mais. Enfin. Faut juste broder ça, quoi. Parce que là, en tous les cas, tout le monde crée comme ça, bah, bon. On voit le résultat, quoi. C'est trop marrant qu'on met les déchets dans le truc. Non, ça, c'est vraiment de la qualité de merde. C'est vraiment nul, ça. Mais en vrai, on voit mieux comme ça que l'autre, à part ça. Enfin, non. Ça dépend. C'est pareil. Ça, c'était le meilleur résultat. Non, celui-là, il est plus foncé, c'est mieux. Donc, celui-là, gros, la qualité, quand tu touches le textile, mais ça fait peur. Ça fait genre, vraiment. On dirait les trucs du marché, bah après. Oh, même là, il se craque. Je tire le truc, il se déchire. Mais ça aussi, en vrai, un peu. Mais moins. Toi, c'est plus de l'encre, tu vois. Là, c'est vraiment genre un flocage. Bon. On est de retour chez Lucas. Il faut pas regarder le stream d'Akiliou. Mais il faut essayer de faire des trucs là. Il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quelle couleur on peut mettre. Et voilà, en gros. Il a tout dit. Ah là, j'ai tout dit. Bref, on vous reprend dès qu'on a un peu des news. En vrai, c'est intéressant comme vidéo, je pense. Genre vraiment un flopage. Oui. Genre vraiment, c'est un flopping jack. Y'a rien qui marche. En gros, ça fait 24 heures, y'a rien qui fonctionne. Enfin, une semaine. C'est une dinguerie. On a perdu 100 balles. Plus les pulls, plus les t-shirts. Et on a perdu du temps surtout. Hein. Perdu une semaine, deux semaines même. Et je pense 200 balles. Peut-être 300 balles même. Mais c'est pas une question d'argent, c'est juste une question de. Là, ça fonctionne juste pas. Hein. En fait, c'est frustrant. En vrai, je sais. C'est super frustrant parce que tu dis, t'as une technique, t'as un beau design, tu t'attends à un truc comme ça. Et au final, bah, c'est pas ce qu'on voulait, tu vois. Et oui, on est hyper déçu. En fait, voilà, c'est ça le truc. On est hyper déçu. Et ça casse les couilles. Mais du coup, là, soit on essaie d'imprimer avec le. Mais ça me casse les couilles, gros, de laver. Mais imprimer avec le cadre qu'on a là. Et du coup, changer la couleur du cadre. Tout laver le cadre. Et essayer de faire ça en blanc. Je lave au pire, moi. Ou alors, on va voir avec les couleurs qu'on a. Voir ce qui rend le mieux. Parce qu'on a du blanc, du bleu, du brun et du noir. Voilà, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui est un peu le mieux. À la base, je voulais qu'on fasse ça rapidement puis j'aille chez le coiffeur. Bah non. Moi, je suis dépité. Moi aussi, j'ai trop le mort, mec. Je suis dépité. On est des losers. J'aurais pas dit ça, j'aurais dit. Mec, on est en loser queue, mec. Non, loser queue, là, ça fait... on essaie de sortir. Ça fait, depuis genre. Hier soir, on a commencé. On travaillait hier soir. Ouais, on travaillait. Ça fait depuis hier soir, on est en loser queue, les gars. Je pète mon crâne. Vraiment. Ça ne marche pas. Tac. Attends, bon du coup Lucas. Hello guys, du coup on se retrouve dans une nouvelle partie de la, c'est la galerie qui continue. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a redesigné le papillon avec le phénomène Colors pour la sérigraphie. Du coup on a réfléchi, Angel a réfléchi et j'ai think a lot les gars. Pour trouver une solution de comment faire le design qu'on en voulait avant avec le truc 3D chromé et tout, mais ouais. On sérigraphie du coup. Et du coup en deux couleurs, du coup en trois couleurs. Du coup, ça serait lila, enfin violet, noir et blanc. Voilà, en gros. Et le but c'est que du coup on a séparé le design en plusieurs couches, vu que du coup la sérigraphie. Ouvre l'autre. En gros ça donne. Attends. En gros, faut imaginer. Hein. Donc ça sera la partie violette. Imaginons sur le fond noir, ça donnerait comme ça. Voilà. En gros, au lieu d'avoir l'effet chromé là dans les lettres, et voilà. Au lieu d'avoir les lettres dans le papillon, etc., effet chromé, parce que ça, au niveau de la sérigraphie, on peut pas le faire. Bon, c'est impossible. Vous avez vu, j'ai attaché mes cheveux, les frères. Oui. Et en gros, sur la sérigraphie, ce qui est possible de faire par contre, c'est de faire le fond en papillon. Genre, imaginez pour le pull noir. Regardez, pour le pull noir qui est là, on met une première couche d'encre avec un calque en violet. Donc hop, le papillon juste là. Ensuite, avec une autre encre, avec un autre cadre, je veux dire avec une encre blanche, boum, on écrit Phenomen Colors. Du coup, on aurait que les lettres blanches du coup. Voilà. Et puis vu qu'il est noir, bah le contour noir va se faire tout seul. Il faut que tu m'ouvres le truc. Attends, parce que je crois qu'il est dispo là.
Là, voilà. Et en gros, sur le violet, là, la différence, c'est que là, du coup, on va devoir imprimer en noir avec le contour en noir aussi sur le calque et après passer en blanc. Voilà. Vu que, bah, du coup, vu que le pull n'est pas noir, on ne peut pas faire la dissociation. Et pourquoi on fait un contour? C'est parce que sinon, avec le blanc, ça ne rend pas très bien normalement. Voilà, en gros. C'est ça que, du coup, on a dû changer. Vu qu'on ne peut pas imprimer sur. On n'arrive pas à imprimer sur le tissu foncé. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et du coup, on ne voulait pas genre, imprimer. Parce qu'on techniquement, on peut imprimer sur le tissu violet, celui qui est en noir. Mais après, ça fait un dossier différent et puis on ne voulait pas. Voilà. Du coup, voilà, on a Think a Lot. Et c'est une solution. Voilà, c'est une solution, on est obligé de s'adapter et puis voilà. Les sérigraphies, on connaît bien, du coup, on est sûr qu'on aura un bon résultat, entre guillemets. Puis on a hâte de voir comment ça donne, du coup. Voilà. Oui. Il y a 18 termes. Du coup, là, on va prendre les habits, Don. On va prendre les habits qui sont juste là. Tous ces habits là. Et on va retourner au garage et puis on va imprimer quoi. On va imprimer les t-shirts, parce que du coup on va shoot les t-shirts demain. On va aussi imprimer un des pulls beige, puis ça on aura au moins deux pulls, enfin je sais pas ce qu'on va faire. Et puis ça va être cool. Il faut qu'on regarde encore la taille des gens. Oui, du coup. T'es sur le Google Sheet. Ouais. Et puis... On va taffer du coup. C'est pas vrai, le but c'est qu'on essaie de pas se coucher trop tard. Voilà. Voilà. Après ça va, parce qu'on a rendez-vous vers midi, du coup, enfin si on se couche à 2h du mat, ça va. Pas comme d'hab, s'il te plaît. Non, en vrai, j'aimerais bien éviter de. Non, en vrai, si on peut dormir. Travailler à la nuit. Ouais, voilà. Parce que dès qu'il fait nuit, c'est chiant de travailler dans le local. Il fait super froid. Ouais. Puis en plus, il va pleuvoir. Puis c'est chiant. Du coup, là, il faut qu'on se dépêche. Mais normalement, ça va le faire. Là, on a une dizaine d'habits à produire. En vrai, je pense que ça va aller. En vrai, ces t-shirts, maintenant, on a capté comment ça fonctionnait. Puis, bon, faut juste espérer qu'on en rate pas trop. Et voilà, il va nous porter l'œil. J'ai juré, il nous a porté l'œil. Voilà. C'était la phrase à pas dire. Voilà. C'est ça son problème à lui. Tu repasseras qu'on sera en train de. Putain, j'ai le mort. Mais au pire, attends, mais strat de fou. Tu cut au montage, comme ça. Je l'ai jamais dit. Mais. Bah, personne saura. Ce mec est. Il est con. Marketing. Non, il est con de fou. Marketing vif et. Bref. Faut qu'on a du taf. Ouais, on a du taf. Allez, ah! Putain, mais fou, mais. Il faut pas lui donner une caméra. Hein.